Ça fait longtemps que je voulais dire ça et j'arrive pas, je ressens un truc pour toi et... Je ressens un truc pour toi. Écoute, j'ai pas osé te le dire avant, mais... Dis-lui. Bon écoute, je suis amoureux de toi. Je t'aime et je pense qu'à toi et je ressens des choses pour toi et... J'arrive, j'arrive. Bi, faut que je te parle. Ok. Mais t'es sûr que ça va? J'arrête. T'arrêtes quoi? Bah, le trafic, tu sais bien, je vais pas te faire laisser. Ok, mais t'es sûr d'avoir pris la peine? Ouais, complètement sûr, ouais. Ok, bah écoute, vu qu'on en est mis au point, moi aussi, faut que je te parle. Ouais, dis-moi. Je crois que... Attends, excuse-moi deux secondes. Allô? Oui, je suis sur la route. Ouais, j'arrive dans quelques minutes. Bisous. C'était rien d'important? Justement. C'est exactement la raison de pourquoi j'arrête. C'est ma copine. Je suis vraiment heureuse. Et j'ai vraiment pas envie de lui faire subir ça. Et la drogue, c'est mort. C'est pour ça que je compte sur toi pour faire passer le message au boss. Je lui dois rien, il le sait. Ok, très bien. Je ferai passer le mot. Tu voulais me dire quoi du coup avant? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est pas important. Putain, ça va, t'as mal? Ouais, non, mais ça va, t'inquiète. Je me suis coupé avec des trucs tout à l'heure dans la cuisine. Pas rien de grave, t'inquiète. Ok. En tout cas, je suis content. Ça se passe bien et que t'as trouvé quelqu'un avec ton... Elle, avec elle. Elle s'appelle Gaëlle. Elle travaille au bar à l'angle, au centre. Il me semble que tu y vas souvent en plus, non? Ouais, ouais. Effectivement, ouais, j'y vais souvent. Bon, faut que je file. Tu l'as compris, je suis attendu. Mais t'en fais pas, hein, on travaille tous ensemble, on va se terminer, ok? On va se terminer. Ciao! Ça va ou quoi? Bah ça va nickel, écoute hein. Bon toi tes études, t'en es où, raconte? Voilà. Je vais pas tarder à faire ma rentrée en fac de médecine. T'as l'air d'avoir hyper hâte. Non mais tu sais, y'a pire. Toi au moins t'es près de la fac. Toi lui il est parti à l'autre bout de la France tout seul. T'as le point. C'est clair. Enfin bon, tu me raconteras les petits ragots de la fac là, ça me fera de la matière pour écrire mon livre. Ah salut toi. Salut. Ça va? À ce qui paraît t'es plus dans la vente de vêtements? Ouais, non, les clients de la boutique étaient vraiment insupportables. J'ai pas envie de vivre ça. Bah ouais. Du coup, j'ai même pas pu voir où tu bossais, la boutique et tout. Oui, moi, ça m'aurait fait kiffer d'être ta petite cliente. Désolée de pas être venue plus tôt, c'est vous. Ça va, mon cœur? Ouais, ça va. Ça va. Coucou tout le monde. Salut. Hello, Louis. Bon, alors, tu fais quoi l'année prochaine, toi? Oula, alors, je vais juste bosser pour l'instant. J'attends de trouver vraiment ce qui me plaît. Enfin, tu vois, quoi. Ouais, ouais, je comprends, t'as raison. On n'a pas un S à félicitations. Hein? Non mais c'est sûr, t'auras pas de copine. T'auras pas le temps. Et malheureusement, elles sont pas nombreuses en médecine. Non mais c'est même pas le sujet. Personne en médecine n'a de temps à mettre dans les sentiments. On n'a pas emménagé près de ton école pour que tu loupes ton année. Oh, fais pas cette tête, mon grand. Tu vas nous en trouver une. Et choisis bien, une qu'on a dans le ciboulot. Ça court pas les rues. J'ai plus faim. Tu l'as dit à ton père pour nous? Hé, je sais que t'aimes pas cette question. C'est pas ça, c'est juste que j'attends le bon moment. Mais y a pas de bon moment. Oh écoute, j'ai pas envie d'y penser maintenant. Viens, on parle d'autre chose.
Gaëlle, je peux te parler, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que tu fais du bon travail avec moi. Je suis plutôt content. Ça t'intéresse toujours, je peux te proposer le CDI. Ben ouais, carrément. Enfin, moi je me plais trop ici, donc je suis trop contente. Ok, bah super, je vais le préparer au mois de septembre et tu pourras commencer en octobre. Ok, d'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. Super, je t'en prie. Annoncer que votre candidature au poste de commercial au sein de notre entreprise a été retenue. Par conséquent, nous vous proposons de rencontrer notre responsable des ressources humaines, Madame Bernice, ce lundi à 9h. Yes, yes, yes! Tu m'autorises? Ouais. Je suis très fier de toi, fiston. T'as un bel avenir, j'en suis certain. Enfin, si tu gardes le cap de ce que tu envisages actuellement. Tu sais, à ton âge, j'ai été contraint de réaliser des sacrifices de jeunesse, comme on dit. Et aujourd'hui, je ne changerai ça pour rien au monde. Ce confort actuel vaut largement plus que les conneries que j'aurais faites à ton âge. En tout cas, t'es sur la bonne voie. Ça va être dur, tu vas y arriver. J'en suis certain. T'es comme ton père, toi. Un homme, un vrai que rien ne pourra arrêter. Rien, même pour une femme, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Bon. Je me sauve. On sera fiston. Mon fils. C'est la mienne. Mais ça sert à rien. Tu jettes l'argent par les fenêtres. Ouais, cite-moi un seul autre exemple. Notre deuxième maison, t'en fais quoi? Bah regarde, on l'utilise. Ouais, bah c'est pas très rentable, hein, vu l'argent et le temps qu'on y a passé. Ah, mais c'est idiot, tu sais très bien qu'avec les études de Bastien, on y sera pour longtemps. Franchement, tu dis n'importe quoi. Puis de toute façon, ça te regarde pas. Bastien, va aider ta mère, s'il te plaît, tout de suite. Tu peux aller servir les gars du fond là-bas, s'il te plaît. T'inquiète, je m'en charge. Pour vous servir, mademoiselle. Ça va, toi? Ça va bien mieux quand t'es là. Bon, allez. Je cherche mes affaires. Tu m'attends? Yes. On y va. Tu viens? Ouais, j'arrive. Tu peux mettre un réveil pour demain 9h? Pourquoi? Madame est curieuse. Elle saura tout en temps voulu. Ok. Voilà. Hop, tac. C'est bon. Magnifique.
Bah, mon chéri, tu veux pas dénoter quelque chose avant de partir? Non, désolé, j'ai pas envie. J'ai envie d'arriver en avance. Bastien, au revoir. Je suis fier de toi, mon fils. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Et file. Tu vas bien? Oui. Tu veux toujours pas me dire où tu vas et pourquoi t'es aussi stressée? Tout va bien, t'inquiète. Je t'expliquerai tout bientôt. À toutes. Ok. À toutes. C'est ça que tu vendais? Réponds-moi. Gaël, je te jure que c'est pas moi. Ne me mens plus, Vémi. Ça fait un moment que j'ai arrêté ça, je te promets. Tu me prends pour une conne, là. Mon cœur, écoutez-moi. Je veux juste une vie simple et sans embrouille, ok? Je veux juste une putain de vie simple et sans embrouille! Je sais pas quoi te dire, merde. Pars-toi. Barre-toi! Tac, et 10 qui font 50. Voilà pour vous. Oh, merci. Il n'y a que 1,50 là. C'est 2 euros que je dois voir. Ah, pardon. Alors j'ai dû me tromper quelque part. Attendez, je recompte rapidement. Tac, tac. Ah oui, c'est ça, c'est bien 2 euros que je vous devais. Voilà, du coup, voilà 50 centimes en plus. Désolée. Allô? Tout va bien, Amy? T'as pas l'air en forme? Ouais, ouais, carrément, carrément. Je peux venir tout de suite si tu veux, j'ai rien à faire. Amy, Amy, écoute, tu sais qu'entre nous, on peut se faire confiance. Tu peux tout me dire. Ok, à tout de suite. Yeah.
Tu... Je sors. Et les études? T'as vu l'heure? Tu travailles encore une heure et ensuite tu te couches. Salut, je termine dans une heure et je suis à toi. Mais tu veux aller où? Je suis désolé, mais finalement je peux pas sortir là. Non mais t'es sérieux? C'est la quatrième fois que tu me fais le coup là. Putain, Louis, je sais, je suis désolé, mais... Comprends que c'est pas de ma faute. Bastien, pour qui tu fais des études? Arrête d'insinuer que c'est toujours la faute de mon père. Je fais ça pour moi aussi. Je veux un métier qui paye, moi, ok? Et je sais pas ce que tu fais, mais moi je bosse. Quoi? Non mais t'es sérieux? Mais je garde des gosses, je fous pas rien moi. Bon, faut que j'y aille, je... On se voit un jour si tu m'accordes un peu de ton temps. Mort. Je comprends. Bon, Bastien, écoute, faut pas que tu te braques, mais j'ai vraiment l'impression que t'es en train de d'user ton moral et ta santé pour tes études, sauf que je suis presque sûr que tu le fais pas pour toi. Souviens-toi de ce que t'aimais avant. Tu adorais prendre mon corps sexy en photo. Calme tes ardeurs. Mon corps de dieu grec. Arrête, c'est bon. S'il vous plaît, monsieur le photographe, je sais que j'ai du potentiel. Moi aussi, je vais être une star. Ok, c'est bon, on va aller prendre tes photos. Yes, l'artiste. On va chercher ton appareil. Ah, elle est bien celle-là. Ah ouais, t'es beau. Nickel. Oh, elle tue celle-là. That's my boy. Vas-y, souris à la caméra. Ah, t'es bien là. Ah, elle est trop cool. Ah, t'es beau. On n'a qu'à en faire une où on s'embrasse, non? Hop, alors attention. Tac. Donc celui-là, c'est pour vous. Et les deux sunrise, ici. Il y a un problème de commande, là. Ah bon? Je me suis trompée quelque part. Ah, pourtant, je vais regarder, mais il me semblait qu'on avait mis... Hey, pas de panique, ok. Juste, j'avais dit, je veux des glaçons dans mon sunrise. Donc, tu vas en cuisine, tu le vides, et tu reviens avec ce que je t'ai réellement demandé. Ok? Ok... Je vous ramène un sunrise avec glaçons, alors. Thank you.
Désolé, madame, t'avais une poussière. Et voilà pour vous. Bonne dégustation. Bon, je reviens. Tu bouges pas, tu dois signer de la paperasse avant de partir. Celle-ci, elle est très bien. C'est quoi ? Dan ? Dan ? En fait, t'es là et t'en sors pas, non ? T'en sors jamais. J'en peux plus, je peux plus bosser, je peux plus rien faire de ma vie. Ma vie, elle était plus simple avant que tu sois là et
Elle aurait été tellement plus simple si t'avais jamais été là. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi faire en fait. Peut-être que tu devrais partir et jamais revenir. Comme Tom. Et oui, je fais ça pour mon père. Parce qu'il compte, putain, il a toujours été là pour moi, il a toujours tout fait pour moi. Je peux pas tout abandonner. Lâcher ma famille, mes repères, tout ce que j'ai toujours connu, pour un amour purement égoïste. Je suis désolé. Mais comprends-le, Louis. Ce que c'est ça? Hmm? Depuis quand t'embrasses des pédales? Hmm? Je t'ai pas élevé comme ça. Tes égarements là, je veux plus que ça recommence. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. À travailler dans ta chambre. Bastien, je t'aime, tu entends? Je t'aime, tu entends? Mais le cajole pas. Si ça se trouve, c'est de ta faute s'il est comme ça. Hein? Tu vas nous transformer en femme. Et franchement, Bastien, je sais pas ce qu'on t'a fait pour mériter. Pour mériter ça? Parce que tu mérites ça? Tu crois que je nous l'impose? Tu crois que j'ai envie de passer ma vie à vivre le regard des gens dans la rue? Leur haine, leur mépris! Toute cette haine-là juste pour ce que je suis! Hein? Parce que toi, tu nous imposes rien peut-être? Tu m'as jamais rien imposé à moi! C'est tout ce que tu sais faire! Tu fais que ça, imposer des trucs! Tu m'as imposé ma vie! Ce que je suis, ce que j'aime, ce que je mange, ce que je fais! Mon parcours professionnel, c'est toi qui me l'as obligé! Mais en vrai, tu sais qui je suis? Tu sais ce que j'aime ou pas? Tu sais ce que j'aime depuis tout petit, c'est la photo? Non, tu sais pas ça. Hein? Tu connais rien de moi! Tu sais pas qui je suis! Tu connais pas ton fils! Et t'as vu comment tu traites maman? C'est pas ta bonne, hein? Elle a un travail aussi! Ouais, écoute, tu mets pas ta mère là-dedans et tu me dis pas ce que j'ai à faire. Ah ouais? Et si? Si, je vais dire ce que t'as à faire! Je sais qui je suis maintenant! Je sais ce que j'aime! Je sais ce que je veux! Et je veux plus que tu sois mon père! Bastien! S'il te plaît.
quoi là? Je sais pas, je comprends pas. Ouais, bah non, moi non plus. Allez. Arrête! Arrête! On va savoir ce que tu veux, sérieux. Connard! Bon, faut que j'aille voir Amy. On a tous droit à une seconde chance. Tu devrais aller voir lui. Il t'aime, il tient toujours à toi. C'est rare de nos jours. Je peux te laisser tout seul? Ouais, ouais. Ok. Ça va, j'arrive. Toi? Mimi! Hé, la Gouine! Tu fais quoi, là? T'as rien à faire ici. Ah, parce que c'est toi l'homme de la maison, maintenant? Je pense que j'ai bien plus le droit d'être ici que toi. Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu parles comme ça, ok? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? C'est elle à l'entrée de force. Tu la touches pas! Ok, très bien. Ça va? Ah ouais, ça va, ça va. C'est bon, tu m'en veux pas, j'espère. Je l'ai pas frappé, hein. Puis tu me connais, je me suis juste pas laissé faire. Ah oui, je te connais. Je sais qui t'es maintenant. Et j'aime ce gars qui peut être si attentionné avec moi. Mais à mes yeux, maintenant, tu resteras pour moi toujours une petite merde. Maintenant, dégage, dehors! Mais tu vas pas me laisser pour cette pétasse. Ferme ta gueule! Tu sors! Putain de connard. Cancer, ce mec! Ça va, toi? Oh, putain, je suis trop désolée. Pardonne-moi. Ça va. Thank you.
merde. Putain, je t'en prie. Louis, j'aimerais te parler. Réponds-moi, s'il te plaît. Je... Rappelle-moi. Bordel, Louis, je sais que j'ai merdé, mais tu peux me laisser une seconde chance. Rappelle-moi. Alors ça y est, hein, c'est ça, hein. On laisse la pauvre mère toute seule maintenant qu'on vaut mieux, hein, c'est ça. Tu vas m'abandonner encore, quoi. Louis, putain. Louis, putain, j'ai besoin de toi. Putain, cette messagerie, je l'ai trop entendue. Louis, s'il te plaît, rappelle-moi. Oui, j'arrive. Parfois, on se rend compte trop tard qu'on a pris trop de mauvaises décisions. Ce sont ces choix de vie quotidien qui nous transforment, petit à petit, pour devenir ce que l'on sera demain. On se force parfois à faire, ou ne pas faire, selon le regard des autres. Et si, pour une fois, on vivait à la hauteur de nos envies? Et si on défiait un peu ce monde tout entier qui nous souffle à l'oreille de ne pas être soi-même? On pourrait changer un monde qu'on déteste de plus en plus. Bravo Gaël, merci pour la lecture. Vous avez très bien démontré votre talent. Nos auditeurs n'auront aucun problème à comprendre vos lignes.
Gaël, aujourd'hui vous avez 20 ans. Pourquoi et comment on a l'idée d'écrire un livre à cet âge? Je pense que n'importe qui a déjà eu envie de dire à quel point il a eu mal. De faire entendre, en fait. Il y a encore trop d'injustices, trop de conflits dans ce monde qui pourraient être résolus. Il n'y a pas de mode d'emploi pour gérer les souffrances quotidiennes. Chacun trouve sa manière. Alors j'espère juste en aider quelques-uns. Alors je suis bien d'accord pour dire que certaines situations finissent tout de même bien. Mais il y a encore trop de racisme, d'homophobie, de misogynie et j'en passe. Et c'est crève-cœur de parfois être témoin de situations inacceptables. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que parfois elles ne seront même pas punies à leur juste valeur. Et c'est ça qui m'a motivée à écrire ce livre. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, je viens vous remettre une lettre de convocation au poste. Je peux savoir pourquoi ? C'est concernant une affaire judiciaire en cours, monsieur. Retiens-moi mon amour, le temps d'un poème, comme un dernier souffle, un dernier je t'aime. Aimons-nous si fort que le temps ne compte plus. Et si tout s'arrête maintenant, on aura assez vécu. Chavirons nos cœurs, soyons fous alliés, donnons au moment la valeur de l'éternité. Un peu beaucoup à la folie passionnément, sur chaque route, à chaque époque éperdument. Je veux ta peau, je veux tes notes, je veux ta voix, ton sourire, ta présence, une dernière fois. Serrons-nous si fort à ne former plus qu'un, effleurer chaque parcelle de ta peau sous mes mains, sentir ton parfum qu'il me monte à la tête. Je veux te respirer jusqu'à ne plus être. Chavirons nos cœurs, soyons fous alliés, donnons au moment la valeur de l'éternité. Un peu beaucoup à la folie passionnément, sur chaque route, à chaque époque éperdument. Je veux ta peau, je veux tes notes, je veux ta voix, ton sourire, ta présence, une dernière fois. Embrassons-nous si fort à faire trembler le ciel, à en perdre le nord, qu'il nous pousse des ailes. Je veux entendre ton souffle, écouter ton cœur, ressentir chaque battement et toute leur valeur. Chavirons nos cœurs, soyons fous alliés, donnons au moment la valeur de l'éternité. Passionnément, sur chaque route, à chaque époque éperdument. Je veux ta peau, je veux tes notes, je veux ta voix, ton sourire, ta présence, une dernière fois.